Bonjour, mes filles. Bonjour. Tu as l'air pressée de rentrer chez toi. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'était le dernier jour d'école et papa m'a dit qu'il avait un cadeau pour mes amis et moi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je me dépêche de rentrer. Papa. Oh, de rien, Miffy. Oh, je suis impatient d'aller dedans pour te montrer comment ça marche. Oui, voilà, comme ça. Bon, eh bien, je te laisse y aller en premier. C'est pas facile de marcher dans le château. Ça rebondit un peu trop. Mais c'est bien, on ne se fait pas mal quand on tombe. Wouh! Il suffit de rebondir et hop, on retombe sur ses pieds. C'est ça, Miffy. Fais des bonds. Fais des bonds. C'est super chouette. Boing, 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 boing. Je vais toucher le ciel. Boing, 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 boing. Comme si j'avais des ailes. Oh. Dis-moi, Miffy, tu dois avoir drôlement soif à faire des bonds dans tous les sens, non? Viens boire un peu. Bonne idée, papa. Oh là là, en effet, ça a l'air de bien bondir. Je vais très rapidement monter dessus pour... Bonjour, Mélanie. Bonjour. Tu es prête à faire des bonds? Oui. Super, allons-y. Tant pis. Dans ce cas, je monterai dessus tout à l'heure. J'ai une idée. On compte jusqu'à 3 et on saute. Ça a l'air très, très amusant. Papa, papa, regarde-nous. 1, 2, 3, et on tourne. Wouh! 1, 2, 3, et on rebondit sur les fesses. Wouh! Oh, je viens d'avoir une idée sensationnelle. On pourrait essayer de voir ce que ça donne quand 3 personnes sautent en même temps dans le château. Oh, oui, c'est une très bonne idée. N'est-ce pas? Faites place, Grunty arrive! Youpi! Oh, il y a même des boissons! Pourquoi vous avez une trousse à pharmacie? C'est juste au cas où quelqu'un ferait une chute. Oh, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Grunty. Dans ce château, même quand on tombe, on ne se fait pas mal. Alors j'arrive! Super! Oh. Viens, Grunty! Grimpe! Allez, grimpe! Boing, 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 je vais toucher le ciel. Boing, 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 comme si j'avais des ailes. Boing, 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 je vais toucher le ciel. Boing, 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 comme si j'avais des ailes. Boing, 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 je vais toucher le ciel. Boing, 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 comme si j'avais des ailes. Boing, 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 je vais toucher le ciel. Boing, 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 comme si j'avais des ailes. Ça doit vous donner soif de sauter comme ça. Faites donc une petite pause. Je vous sers une boisson bien fraîche. Non, merci, papa. On n'a pas le temps de s'arrêter. On s'amuse trop. Oui, on s'amuse trop. Vous êtes sûr? C'est dommage. Cette citronnade est tellement rafraîchissante. Alors, juste un verre. Je me dépêche. J'en veux un aussi. Moi aussi. Quel dommage de voir un si beau château sans personne dedans. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Oh. C'est pas vrai. Oh non. J'ai fait un trou dans le château. Est-ce que tout va bien? Vous avez besoin d'un pansement? Non, ça va, Grunty. Merci. Attends, j'ai une idée. Un pansement, ça pourrait peut-être nous servir. Ah bon? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver là où le château est percé. Euh...
trou. Tiens, voilà le pansement. Voilà la pompe. Et voilà la personne qui va pomper. Youpi! On y est presque. Ouais! Hurra! Merci beaucoup, papa. On ne voit même pas qu'il y a un trou. Ouais! Si tu veux, tu peux y aller en premier, papa. Finalement, on va peut-être le laisser faire une petite sieste. Oh, on est arrivé. Allez, descends, Miffy. Papi. Bonjour, Miffy. Coucou, mamie est là? Oui, dans la cuisine, elle est occupée. Oh, j'espère qu'elle prépare son délicieux gâteau aux poires. Ce serait bien, c'est mon gâteau préféré. Moi, j'aime le manger avec de la crème anglaise. Et moi, avec de la crème fraîche. Ou bien de la crème glacée. On dirait que tout le monde adore le gâteau aux poires de mamie, n'est-ce pas, Miffy? Il a l'air délicieux. Oui, ça c'est vrai. Enfin, il paraît, je n'en ai jamais mangé. Je sais, je vais demander à mamie d'en faire un pour pouvoir y goûter. Mamie! Miffy! Oh. Vous venez à l'intérieur tous les deux? Non, pas maintenant. On doit filer. On a une petite course à faire. Ne rentrez pas trop tard. Non, non. Tu viens, mamie? Je suis vraiment très impatient. On peut faire ton gâteau aux poires, s'il te plaît? Non, Miffy. Je suis désolée, c'est impossible. Ah bon? Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas de poire. Et sans poire, on ne peut pas faire de gâteau aux poires. Oh! Sauf si on va faire un tour au marché pour en acheter. Oh! Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? S'il te plaît! Oui, on passera sûrement un bon moment. Viens! Youpi! Je me demande où papy et papa ont bien pu aller. Allez, viens, mamie! Il faut qu'on aille au marché! Fruits et légumes frais, plusieurs variétés, tous de qualité. Vive mes poissons, j'en ai des gros, des petits, des plats, j'ai même des fruits de mer. Ne passez pas à côté de mes bons fromages, ce serait dommage. Si vous en voulez, dites s'il vous plaît. Du fromage, s'il vous plaît. Il sent très fort. Il sent fort, mais il est délicieux. Est-ce que tu veux y goûter? Non, merci. Aujourd'hui, c'est des poires qu'on est venu acheter. Au revoir. Au revoir. Il est frais. Il vient juste d'être pêché. Avec mon poisson, vous allez vous régaler. Regarde, mamie. Poisson, poisson. Qui veut mon poisson? Tu veux acheter ce poisson? Non, merci. On va faire un gâteau aux poires, pas un gâteau aux poissons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Fruits et légumes frais, pommes, bananes, poireaux, ils sont tous bons pour la santé. Approchez donc, venez les admirer. On veut des poires, on veut des poires. Des poires? Oh, alors ça c'est pas de chance. Regarde, je n'en ai plus du tout. Oh. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un est passé et m'a acheté toutes mes poires. Tu as vu? Il n'en reste plus aucune. Oh. Oh, quel dommage. Oui, sans poires, on ne peut pas faire de gâteau aux poires. Et moi, j'avais vraiment envie de faire un gâteau aux poires. Et des pommes, tu pourrais faire des beignets aux pommes. Non, c'était un gâteau aux poires que je voulais. Oh, si tu veux, la prochaine fois que tu viendras me voir, on fera un gâteau aux poires ensemble. D'accord. Allez, rentrons à la maison. J'ai des oignons, de l'ail, du céleri, des mangues, des fraises et aussi des kiwis. Tiens, des fraises? J'adore les fraises. Mamie, on peut en acheter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Une barquette de fraises, s'il vous plaît. Et voilà. Je sais comment faire un gâteau aux poires sans poires. Comment? On n'a qu'à remplacer les poires par des fraises. Un gâteau aux fraises? Bonne idée, ça doit être bon. Ah, mais j'aime aussi les carottes. Et si on faisait un gâteau aux carottes à la place? Oh non, un gâteau aux carottes et aux fraises. D'accord. Pourquoi pas? Essayons une nouvelle recette. Je vais aussi prendre une botte de carottes. Pense à me garder une part de gâteau.
D'accord. Merci. Bon, je me demande quel goût il va avoir. On a fait une bonne balade. Ça m'a donné drôlement soif. Drôlement soif et drôlement faim. Surprise! Mais où est-ce que vous avez trouvé toutes ces poires? Au marché, quelle question! Alors c'est toi et papy qui avez acheté toutes les poires? Eh bien oui, pour faire un délicieux gâteau aux poires. Mais vous avez déjà fait un gâteau? Oui. On est allé au marché, mais le marchand de fruits n'avait plus de poires. Quelqu'un les avait toutes achetées. Oh, mince alors. Alors, on a fait un gâteau sans poires. Un gâteau sans poires? Oui, et c'est Miffy qui a inventé la recette. Un gâteau aux carottes et aux fraises. Oh, c'est une association intéressante. Alors? Ce gâteau est délicieux. Il est même meilleur que ton gâteau aux poires. Oui, félicitations, mes filles. Je le mangerai bien avec de la crème anglaise. De la crème fraîche pour moi. Non, de la crème glacée. La crème glacée, c'est trop froid. Et la crème fraîche, ça coule partout. Pas si elle est bien ferme. Ah, de la crème fouettée, je comprends mieux. Oh, papa. Tu as l'air pressé, Miffy. Où vas-tu? Je vais chez Poppy. Aujourd'hui, Grunty et moi, on va faire une randonnée dans la nature avec Poppy. Oh, alors tu devrais garder ton énergie pour toute la marche que tu vas faire. Là, je suis en train de courir. Il me restera encore plein d'énergie pour marcher. Si tu le dis, je te crois, Miffy. Ah, voilà notre dernière randonneuse. Bonjour, Poppy. Bonjour, Miffy. Bonjour, Grunty. J'ai hâte de faire cette longue randonnée. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. C'est vrai que la balade va être très longue. Oui, assez longue, mais c'est ce qui est agréable. Il y a tellement de choses à admirer pendant qu'on se promène. Et où est-ce qu'on va? Eh bien, où on a envie. Ensuite, on suivra la carte et on rentrera à la maison pour le déjeuner. Le déjeuner? Vite! Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Poppy, qu'est-ce qu'on va voir pendant notre randonnée? Tiens, prends les jumelles et jette un coup d'œil. Et toi, Grunty, regarde la carte et essaie de trouver où nous sommes. Waouh! Je vois très loin avec les jumelles. J'ai vu un oiseau dans son nid. Une chenille verte. Et aussi Grunty. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre dans la nature? Plein de choses. J'ai une idée. Et si je faisais une liste de choses à chercher tout au long de notre randonnée? Oh, comme une chasse au trésor! Oui, tout à fait. Réfléchissons. Oh, je sais, une jolie coquille rayée. Une feuille avec des bords piquants et... Une plume toute douce. Excellente idée, Miffy. C'est moi qui vais trouver toutes ces choses en premier. Pas si j'arrive avant toi. Regarde, j'ai trouvé de jolies coquilles. Oh, bravo, Miffy. Voyons voir. Peut-être qu'on va trouver une coquille rayée. Oh, une coquille rayée. Oh, Grunty. On l'a échappé belle. Tiens bien la carte, Grunty. Il faut qu'on retrouve notre chemin pour rentrer à la maison. Oups. Désolée. Mais je te félicite. Tu es la première à avoir trouvé une coquille rayée. Je crois que j'ai aussi trouvé qui habite dans cette jolie coquille. Regardez. Au revoir, petit escargot. Oh là là, le vent souffle fort. Miffy, regarde tes oreilles, essaye de s'envoler. Attendez un petit instant, les filles. Je ne sais pas où nous sommes.
Alors, on est arrivé par ici, ce qui veut dire qu'on devrait se diriger vers... Poppy, la carte. Catastrophe alors. Regarde, Poppy, tu as trouvé une feuille avec des barbicans. Bravo. Eh bien, je me félicite. Résumons. On a déjà trouvé une jolie coquille rayée. Et une feuille avec des bords piquants. Oh. Oh. Mais j'ai bien peur qu'on ait perdu la carte. Le vent l'a emportée. Oh non. Alors ça veut dire que nous aussi on est perdu. Comment on va rentrer à la maison? Ne vous inquiétez pas. Nous allons réfléchir à un moyen de retrouver la maison. On pourrait demander notre chemin à quelqu'un. Je ne vois personne à qui demander. J'ai une idée. On pourrait utiliser les jumelles pour retrouver ta maison. Oui, bonne idée, Miffy. Je vois le petit oiseau. Et aussi la carte. Dépêchons-nous. Si on arrive à récupérer la carte, on pourra rentrer à la maison. Suivez-moi. Oh, 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 suivez la carte. Par ici. Par ici, vite. Déjeuner, c'est l'heure du pique-nique. Un pique-nique. Super. Génial. Eh ben dis donc, suivre une carte, ça donne drôlement faim. Hé, Patouche, elle est à moi cette fraise. Va-t'en, petit oiseau. Oh, une plume. J'ai trouvé la plume toute douce. C'était la dernière chose de la liste. Félicitations. Ça y est, on a tout trouvé. Même le chemin pour rentrer. Il ne me reste qu'une seule chose à trouver maintenant. Ah bon? Quoi? Une amie qui craint les châteaux et kili-kili.